Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur PC Top TV pour une nouvelle vidéo review et unboxing. Si vous êtes habitué aux produits gaming, vous serez certainement intéressé par celui-ci. Pourquoi ? Tout simplement que sans ce constructeur, les claviers n'auraient pas eu autant de succès. Nous allons découvrir ensemble le Cherry MX Board 6.0 du constructeur Cherry, clavier qu'on peut classer dans la catégorie clavier mécanique gaming. Si vous ne connaissez pas le constructeur et que vous êtes possesseur d'un clavier mécanique d'une marque reconnue dans le milieu du gaming, il est clair de dire que Cherry est tout simplement le concepteur des interrupteurs mécaniques que nous connaissons tous. C'est simple, Cherry domine tout simplement le marché avec leur interrupteur Cherry MX. Il est d'ailleurs étonnant que le constructeur ne se faufile pas plus dans le segment gaming alors qu'il maîtrise parfaitement le domaine. Le constructeur se paie le luxe pour annoncer tout simplement qu'ils ont le clavier le plus rapide du monde. Pourquoi ? Tout simplement que le constructeur allemand a décidé d'y intégrer des petites nouveautés dans le MX Board 6.0. La technologie RK pour RealKey est là en complément avec la fameuse technologie MX et a pour but de réduire vraiment le temps de réponse. On parle de 20 ms à maintenant 1 ms. Ceci est possible en passant le signal en analogique. Déballons maintenant cette belle boîte noire pour véritablement rentrer dans le vif du sujet. L'emballage est sobre et élégant, il fait d'ailleurs un peu old school, et c'est pas plus mal car vous verrez que le produit, lui aussi, est en mode vieille école. Protégé dans une housse en soie noire qu'on a clairement envie de garder pour les déplacements en LAN, le MX Board 6.0 se contente juste du strict minimum, clavier manuel et repose-poignet. À première vue, quand j'ai touché le clavier pour la première fois, j'ai tout de suite compris pourquoi le constructeur est si réputé. Nous avons affaire à du très très bon matériel, nous sommes ici dans du très haut de gamme, avec des finitions et construction irréprochables. Même si tout semble parfait à première vue, le repose-poignet a été conçu de façon très étonnante. D'ailleurs, c'est dommage qu'il se salisse très très vite et attrape vite la poussière. Autre petit point, c'est cette façon de clipser le repose-poignet qui est aimanté. D'ailleurs, un seul aimant tient le repose-poignet au clavier, l'aimant se trouve au milieu. Le constructeur Cherry aurait dû rajouter des aimants aux extrémités du repose-poignet afin d'avoir une meilleure stabilité, car il arrive parfois, si on bouge le clavier, que le repose-poignet se fait tout simplement la balle. Les fameuses tranchées pour passer votre câble, c'est devenu un standard actuellement, mais il est important de signaler quand même car les gens ont tendance à oublier que les claviers en possèdent. D'ailleurs, le câble USB est gainé afin de garantir une solidité à toute épreuve du temps, le câble USB plaqueur afin d'éviter toute oxydation, en bref, le constructeur Cherry a presque pensé à tout. Il est temps de brancher notre MX Board 6.0 pour pouvoir écrire, jouer et l'utiliser dans de bonnes conditions. En activant la touche de fonction, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité du clavier. D'ailleurs, le constructeur propose deux façons de faire, une fort utile où la différence se remarque au premier coup d'œil, et l'autre totalement inutile qui permet de régler au poil près votre intensité de lumière. Il faut parfois plusieurs actions sur la touche pour pouvoir remarquer une différence. La deuxième fonction sera clairement plus utilisée. C'est dommage car c'est presque les seules fonctions que le clavier propose. Et oui, le constructeur a fait le choix de proposer un clavier et puis c'est tout. Pas de logiciel de gestion, pas de macro, pas de sauvegarde de profil, pas de hub USB. Juste un clavier rétro-éclairé aux finitions, je dirais, magnifiques. Un beau paradoxe. Après, il faut clairement et simplement l'avouer, la sensation de frappe et la réactivité du clavier se fait sentir. Moi qui suis un habitué du genre, et c'est à mon sens le clavier qui propose les meilleures sensations de frappe que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Je qualifierais donc le MX Board 6.0 de clavier très polyvalent, excellent pour la bureautique et excellent pour le jeu. La souplesse du Cherry Red Made in Cherry montre ici que le constructeur allemand présente tout son savoir-faire et on peut certainement leur pardonner d'avoir fait le vide sur les autres points. Les sensations sont tout simplement excellentes et au final, un clavier sert à écrire, mais à quel prix ? Soulignons tout de même qu'avec les interrupteurs Cherry Made in Cherry et avec la technologie RealKey Dutch Qualitat, c'est un bon couple qui sera au service des pro-gamers et des joueurs ayant besoin d'une grosse réactivité. Il est clair, pour un joueur lambda, la différence sera peu notable, mais plus vous utilisez, plus vous allez remarquer la différence en jeu, dans les STR ou bien dans les FPS, et surtout si vous êtes un joueur compétitif. Globalement, le clavier MX Board 6.0 du constructeur Cherry est de très très bonne qualité et très solide, ce qui en fait un produit très robuste et très réussi, ça fait beaucoup de traits, oui je sais, et qui est fait pour durer dans le temps. A noter aussi qu'il est full anti-ghosting, ce qui est normal de nos jours. Son revêtement oléophobe qui résiste au gras et aux huiles vous permettra de manger votre pizza et de boire une bonne bière allemande à côté du MX Board 6.0.
on arrive au terme de cette vidéo présentation du clavier Cherry MX Board 6.0 qui j'espère vous aura plu. Il faudra juste mettre la main au porte-monnaie car le clavier est assez cher, limite élitiste. C'était PC Top TV et encore merci aux constructeurs Cherry car sans eux cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. N'hésitez pas à dire ce que vous avez comme clavier dans les commentaires. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde.